Bonjour à tous, c'est Bill61 et aujourd'hui on se retrouve sur du Splinter Cell, comme vous pouvez le voir. Donc c'est parti donc pour l'épisode 10, si je dis pas de bêtises. Alors, on en était où? Parce que là j'ai l'impression que déjà ça prend la mauvaise sauvegarde pour pas changer. Je crois que c'est vrai que dans le 1 je l'avais dit, dans le 2 je l'avais pas encore dit. J'avais remarqué que des fois ça prenait des anciennes sauvegardes. Mais à ce que je vois, en tout cas, le souci n'est toujours pas réglé, quoi. C'est un peu débile quand même. Mais bon, on verra bien où ça nous mène. Parce que du coup, je sais plus exactement où j'en suis, parce que vu que j'enregistre ce lendemain. Ah, d'accord. Parce que je me rappelle du sous-marin et tout, mais là exactement, je me rappelle pas tout à fait. Ça va pas marcher, je pense pas. Je vais pas me retrouver au bon endroit. Ah, quoique. Si, je crois que je m'étais arrêté par là. Je vais regarder quand même. Je vais faire ça, mais ouais, il me semble que je m'étais arrêté par là, je crois. Donc, du coup, là, je sais plus trop où on est arrivé. J'aurais dû lire le briefing, ça m'aurait un petit peu rappelé, parce que. Là, je sais plus exactement. Alors, attendez où je suis. J'étais pas déjà passé par là? Attendez. Y a pas un couloir à gauche? Ah si, pourquoi ça m'a sauvegardé là? J'avais été plus loin? La tourelle elle marche plus? Ah, je comprends pas là. La tourelle ne marche plus et tout, donc pourquoi je me suis... À moins que c'est moi qui m'ai sauvegardé là-bas, mais... Je comprends pas trop pourquoi. Ah, quoique, ça, je l'avais pas vu, il me semble. Oh, je sais plus. Bah si, ça, tout ça, j'ai fait, il y a les cadavres. Oh, bon, bah, je sais pas, c'est bizarre. C'est pas très grave. Donc du coup, je m'étais arrêté par là, quoi, avec la sauvegarde rapide. Et je savais plus trop où aller, mais je crois que... Ah, d'accord, je crois que je commence à comprendre. En fait, j'ai sauvegardé là parce que j'ai grimpé là-dessus. Et du coup, je me suis revenu au point de départ, j'ai l'impression. Ok. Sauf que ça veut dire qu'au lieu de tout me taper le tour, j'aurais pu grimper aussi, mais de l'autre côté. Enfin bon, je vais pas essayer, on peut peut-être pas, mais ça me donne l'impression qu'on peut, en tout cas. Donc du coup c'est peut-être par là que je dois aller, je sais pas, il n'y a pas une planque là-dedans. Je sais pas trop où je dois aller. Hein. Parce que là il y a le grillage qui m'aide pas. Peut-être de l'autre côté. Voilà, je suis un petit peu paumé, hein. C'est vrai que... Non. Il y a du grillage partout, donc je pense pas que ça soit ça. Bon, je pense que c'est le bâtiment en face où je dois aller, ça c'est une certitude. J'avais peut-être pas besoin d'aller aussi loin. Ah, quoique. Ah, ça doit être par là, je pense. J'avais pas vu ce passage, je crois. J'aime pas trop ce bruit, là. Un bruit un peu bizarre. En tout cas, l'eau est encore une fois très jolie. Mais j'aime pas trop le bruitage, là, c'est un peu chelou, quoi. Enfin, apparemment, il y a un mec là-bas. C'est un bruit un peu inquiétant. On a l'impression que c'est des bruits de pas, mais... Après, je sais pas. Bon, je vais sauver... Regardez, putain, lui il m'a fait flipper. Donc ouais, faut mieux que je sauvegarde parce que ici ça m'a l'air d'être assez chaud. Je sais même pas si j'ai le droit de tuer. Bah je vais tenter vu que je viens de sauvegarder. C'est maintenant ou jamais. Apparemment j'ai le droit. Par contre le fait qu'il soit dans l'eau, est-ce que je dois me faire chier à ramasser les cadavres?
Bon, après tout, il est dans le noir. Je pense que ça va aller. Quoi? Le niveau de sécurité passe à 2. Enfilez vos casques. Niveau d'alerte 2. Fisher, sois plus discret et le niveau d'alerte sera réduit. Fisher, la situation sera bientôt totalement incontrôlable. Bah, je sais pas. Y a peut-être un cadavre que j'avais pas planqué avant, je pense. Ah. Voilà. Parce que lui, s'il trouvait son pote, il y aurait une autre alarme et j'aurais été dans la merde. Apparemment, c'est pas par ici, ça a l'air d'être fermé. Là-bas, j'ai vérifié, mais je pense que c'est fermé aussi. Donc, c'était celle d'avant. Je pense que c'est là. C'est quoi ça? C'est une caméra ça. Ouais, je pense savoir pourquoi ça a sonné tout à l'heure. Je vais aller voir vite fait, mais si j'ai pas fait attention à ça, parce que c'est vrai que ça fait pas de bruit. Ouais, il y avait. Bah non, il y a pas de caméra pourtant. Peut-être ailleurs. Non, bah je sais pas. Ça devait être un cadavre, je pense que j'ai mal planqué. Mais là, j'ai bien fait de regarder, hein, juste pour la lumière, parce que sinon, je me serais fait niquer, quoi. Parce que, comme vous l'entendez, enfin, justement, vous ne l'entendez pas, quoi. J'aurais pu me faire berner aussi par ça, quoi. Alors, petite sauvegarde. Bon, là, je pense que j'ai éliminé tous les gardes qu'il y avait, parce qu'il y en avait un, justement, de ce côté-là. Et ça doit être celui qui a voulu voir son collègue mais que j'ai abattu avant. Et ça doit être ici. Là apparemment il n'y a pas plusieurs bouches d'égout, ça fera pas comme le premier. Le niveau de sécurité est revenu à la normale. Ah, ça c'est parfait que ça retombe à zéro. Apparemment tout est rentré dans l'ordre. Tireur en position. Je vais sauvegarder, parce que là, le fait d'entendre tireur en position et voir les spots partout. Ça promet. Bon, déjà, il y en a un là. Hop, 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 hop. Il me tire dessus. Eh merde. Alerte de sécurité niveau 1. Enfilez vos gilets. Niveau d'alerte 1. Sam, ne te fais pas repérer. Fisher, on vous paie pour votre sens de la discrétion. J'ai l'impression que ouais, j'ai essayé de lui tirer dans la tête, mais j'ai l'impression que le grillage, ça empêche. Je sais pas trop où je dois y aller, là j'y vais un peu en bourrin vu que je suis fait à moitié repérer. Oh la vache, il y avait une mine. Ah, j'ai rien vu du tout là. Enfin, je pense que c'est une mine. De toute façon, c'est une grenade, je sais même pas du coup. Parce qu'une mine là, ça paraît un peu bizarre. Mais ouais, j'ai rien compris quoi. C'est reparti. Encore ? Putain, la vache ! C'est un no man's land ici ou quoi ? Alors, je les vois pas du tout, hein. Attendez, je vais regarder là. Sans avancer, mais. Il n'y a pas de bâton avec un fil. Ah, remarque, ils ont peut-être remis les. Voilà, ces fameuses mines. D'accord. Bah, ouais, parce qu'avant, à chaque fois, je me fiais, je me disais. La première fois, je me suis dit, bon, bah, ça doit être avec la vision thermique, mais non. Si vous en rappelez, c'était des fils tendus. Hein, que là, ils sont revenus avec celle, la vision thermique. Alors, à ce que je vois, c'est pas les mines qui manquent en tout cas. Hein. Alors, est-ce qu'il y aurait moyen que je passe en escaladant le grillage? Je tenterai bien l'expérience. Ouais, je pourrais tenter ça. Parce qu'à mon avis, ça doit être pareil de l'autre côté. Alors, par contre, faut savoir où j'en suis. Déjà, on a juste au-dessus. Ça va être chaud.
Alors attendez, est-ce que la lumière elle me voit? Ouais. Ouais, c'est... Ok. Alerte de sécurité niveau 1. Enfilez vos gilets. Merde. Putain, je sais pas où je vais. Oh putain. Là, je voulais essayer de foncer dans le tas comme un bourrin, mais... Parce que j'ai hésité, en fait, je suis resté là, mais en fait, j'aurais dû bouger. Mais je me suis dit, est-ce que le gars, il me voit ou pas? Il se passait rien, mais... Mais c'est chiant, le grillage. Quoique, on dirait qu'il y a un côté où il n'y en a pas. Ouais, il n'y en a pas ici. Bah, je vais essayer de le buter comme ça. Je vais attendre qu'il refasse le tour. Oh, hé, c'était dans la tête, là. Alerte de sécurité niveau 1. Voilà, ta gueule. Niveau d'alerte 1. Sam, ne te fais pas repérer. Là, j'étais pas loin, là. On vous paie pour votre sens de la discrétion. Bon, cette fois, c'est bon. Moi, je suis tranquille. Ça, par contre, mettre des mines là, c'est quand même assez sadique. Bon, je vais tomber là, mais entre les deux, j'ai un peu peur, honnêtement. Alors, ça m'emmène où, ça? Je sais même pas où je vais, là. Attendez, je comprends pas. Ils mettent des mines un peu partout, mais c'est bizarre. Ça bloque comme si ça voulait bloquer l'entrée, si vous voulez, du bâtiment. Apparemment, c'est pas par là, donc je comprends pas trop. Putain, faut slalomer entre les mines, la blague. Bon, ça doit être par là, je pense. Ouais. Attention, c'est parti. Il y en a une juste devant, c'est une blague ou... Attendez, puisque là, il n'y a pas de barbelé, on dirait. Ouais, donc je vais pouvoir passer par là, en fait. Faut que je revienne en arrière. Voilà. Et non, c'est pas compliqué, leur truc... Je pense pas qu'ils ont mis une mine ici, je vais pas vérifier. C'est quoi le truc par terre là? Un objet, ok. Quoi? Ça fait le bruit comme s'il y avait une suspicion. Ah ouais, d'accord. Il faut mieux que je sauvegarde là. Ça serait dommage de me faire avoir ici. Bon, je peux le choper, hein, Marc. Il a l'air d'être tout seul. Hop. Oh merde. Le niveau de sécurité passe à 2. Empilez vos casques. Niveau d'alerte 2. Bon, tu crèves toi ou... La situation sera bientôt totalement incontrôlable. Bon allez, putain mais... Oh putain, voilà. Non mais c'est ça qui est... Là vous vous rendez compte à quel point c'est mal fait de ce côté là. C'est putain le flingue, stoppé, t'as un mètre devant. Je veux bien, c'est vrai que quand on tient un bout comme ça et qu'on tient un mec, on soit pas précis, mais là le bonhomme... Il était un mètre devant, faut pas déconner non plus. C'est un peu abusé, je trouve. Du coup, je me suis fait repérer avec ces conneries. Bon, moi, j'ai buté trois gardes, ça fait toujours ça de moins pour après. Et j'ai pas perdu de vie, tellement ils sont handicapés. Donc on va tous les mettre dans le coin, tranquillou. Hop. Le dernier. Et après, je sais pas si c'est des gadgets là-bas, je vais voir.
Alors, allez, torche éclairante. Donc s'il y a des torches éclairantes, ça sent les tourelles. Bon, il n'y a pas de mine, je préfère vérifier au cas où. C'est marrant parce que ce bâtiment-là, il me fait étrangement penser au bureau de la CIA. What the fuck, c'est quoi ce truc? Ah d'accord. Cohen avait raison de se méfier de Carlson. Elle cachait bien son jeu. C'est en fait un vrai agent de terrain, pas vraiment le genre à passer des heures derrière un bureau. Ça ne m'étonne pas vraiment. Par contre, j'ai du mal à comprendre comment elle s'est débrouillée pour se faire prendre en otage par Sadono. Elle se trouvait dans l'ambassade. Elle cherchait SOS. La CIA voulait savoir s'il était toujours digne de confiance. Maintenant, ils le savent. Ouais, je vais essayer de sauter par-dessus si j'y arrive. Ouais, bon, c'est pas grave. Ça a pas tiré, tant mieux. Mais ouais, ça me fait un peu penser au bureau de la CIA dans le premier, mais en légèrement remodélisé, puisque le bâtiment, ça faisait pareil. Il y avait plein de vides comme ça. Il y avait un rebord au-dessus, pareil. Et ici, si vous vous rappelez, il y avait justement deux trucs d'aération avec du grillage, ce qui nous permettait de rentrer par là. Et franchement, ça y fait énormément penser. Donc je sais pas s'ils ont repris le même modèle de base en modifiant pour... ça fasse moins de travail, on va dire. Mais ça y ressemble, en tout cas. Donc, je vais faire une sauvegarde. Je vais peut-être me soigner, du coup, parce que là... parce que j'ai pas du tout fait attention. Pourtant, je passe devant, mais... ouais, en passant comme ça, on se dit pas, il y a des tourelles. En fait, j'ai même pas regardé dans cette direction. Ça devait être... pour moi, dans ma tête, je me suis dit, c'est des décos, quoi. Mais non, ce sont des tourelles. Et bon, heureusement, je suis pas mort. Ça va être un petit peu gênant. Alors par contre, celle-là, pour la désactiver... je pense que je vais faire à l'arrache. Voilà. Tac. Voilà, petite roulade. J'ai perdu quoi? Un centimètre de vie. Par contre, maintenant, faut trouver l'entrée. C'est bien beau tout ça, mais... faut peut-être grimper. Comme je pensais par rapport au truc de la CIA. À moins que c'est par là-bas. Bon, je vais essayer de grimper, je vais voir. Ça s'y prête étrangement. Hop, voilà. Ouais, je pense que c'est par là. Hein. Honnêtement. Tendance athlétique. J'imagine que c'est juste pour avoir grimpé. Et on tombe comme ça là-dedans ? Ça me rassure pas, ça. Je vais essayer de tomber dans un coin tant qu'à faire, de ce côté-là, vu que c'est sombre. Je vais peut-être faire une sauvegarde avant, parce que là... je sais pas s'il y a du monde là-dedans, mais c'est quand même un peu inquiétant. Oh la vache, je pensais pas que je perdrais autant de vie. Ça, je viens de péter une vitre, il y a un mec à son bureau, normal. T'as rien entendu. C'est quoi, c'est un terroriste? Ah merde, il me voit, putain. Putain, il fait sombre. C'est chaud. Peut-être que je le neutralise, lui. Ah la vache, il a un casque. Ah ouais, c'est en deuxième alerte. Du coup, j'ai pas le droit à l'erreur, là. Je vais sauvegarder quand même. Et ouais, j'ai perdu de la vie là, je sais pas s'il y avait peut-être un autre moyen de descendre plus safe. Bah, tant pis hein, maintenant que c'est fait, mais bon. Ah la vache, il bouge. Parce que là, faut vraiment pas que je me loupe quoi. Voilà. Parfait. Donc je vais... apparemment il est à l'ombre, mais bon, je préfère le mettre bien dans le coin pour être sûr. Parce que là, j'ai plus le droit qu'il y ait une alarme. Tac.
C'est quoi, c'est un écran, ça? Ouais, bizarre. Bon. Donc là, du coup, il n'y a personne. C'est quoi, ça? Je veux dire, un mec en tôle. Il n'y a pas de caméra. Là, il y a plein d'ordi. Il n'y a rien à utiliser. Ok. Et ça m'emmène où, ça? Parce que c'est bien, ça emmène à l'accueil, mais... Ah, c'est peut-être là-bas. Bah non. Ah, je suis rentré pour rien, quoi. Attendez. Ah, d'accord, ok. Putain, je l'ai pas vu, le truc. Dans le noir, je suis arrivé comme ça. J'ai pas du tout fait attention à droite. Pour moi, c'était un mur, quoi. Et donc, faut avoir l'œil. Là, on voit encore le mec, mais je sais pas c'est qui. Je sais pas pourquoi il y a autant d'ascenseurs. Diminution du niveau de sécurité. Ah, ça, ça fait plaisir. Je vais sauvegarder, mais... Tous ces trucs-là, là, le fait qu'il y ait autant d'ascenseurs, ça me fait un peu peur. Je serais capable d'en piéger un ou deux, l'histoire de... Télévision Indonésie libre, Jakarta, Indonésie, ouais, ok. Capturer Swadi Sadono. Donc ça me permet de savoir où on est, parce qu'honnêtement, tout à l'heure, j'ai pas vu et je me rappelais plus du tout ce que je faisais là, quoi. Et on est à 21 minutes, ok. Bon, bah ça va, on avance quand même. Cherche un petit peu mon chemin, mais ça va, ça avance. Faut pas se plaindre, par rapport au début du jeu, je galérais. C'est pas trop mal. Vous devez trouver Carlson. Alors, 2 minutes, garçon. Donne-nous la garde. Voilà. Pour ses talents d'interprète et de négociatrice, mais elle est plutôt libre de ses mouvements. Nous espérons qu'elle vous permettra d'approcher Sadono et que vous pourrez le ramener vivant. Vous devez le prendre par surprise. Moi, j'ai pas de chance, hein. Comme vous voyez, je voulais péter les vitres. Les vitres. Les lumières, juste pour être un peu planqué dans le noir, mais... J'ai pas eu de chance. Alors, par contre, là, il y a un scanner rétinien, on dirait. Donc, j'ai intérêt à ne pas buter n'importe qui, j'ai envie de dire. Donc là, bah, c'est quoi? Ah, il y a du monde. Oh, merde. La merde. Alors bouge pas. Putain, mais vas-y. Franchement, il est pourri ce flingue. Sans déconner, le flingue il est en carton, quoi. Je suis à 2 mètres devant lui. Il trouve pas le moyen d'aligner la cible. Hein. C'est une énorme blague, quoi. Même au lance-pierre, on arrivera mieux à le viser, quoi. Bon, c'est pas grave, je vais aller voir ici. J'ai l'impression que ça tourne en rond, là. Remarque, je kiffe pas trop la mitrailleuse, ici. Ah, je vais peut-être refaire le tour, là. Parce que là, ça me plaît pas trop. En plus, il y a du monde. Là-bas, je pense que c'est fermé. Ouais. Bon. Alors, parce que là, il y a un mec. Mais le plus important, c'est celui qui est en face. Bon, on va essayer de se débarrasser des tubes. Tac. Voilà. Bon, il fait quoi? Il vient parce qu'il est parti loin. Là. Non, il s'en fout. Et ici, c'est qui? Ah, c'est le mec à côté de la mitrailleuse, ok. Alors, ce serait parfait s'il se retourne. Allez, je sais que c'est le mec. Non, mais c'est une blague. Alerte de sécurité niveau 1. Enfilez vos gilets. Niveau d'alerte 1. Sam, ne te fais pas repérer. Fisher, on vous paie pour votre sens de la discrétion.
Je sais pas comment il s'est démerdé pour me voir parce que... Bah déjà il était de dos. Oh putain, bon vas-y, bute-moi. Mais pourtant j'ai été mollo, je comprends pas là, j'avoue que... J'ai dû louper un événement, on va dire. Bon, ça a l'air d'être assez compliqué ce passage, hein, si j'ai bien compris le truc. Putain, mais quoi? Fais dodo. Alerte de sécurité niveau 1. Merde. Merde, putain. Je pensais pas qu'il viendrait, mais là, vous avez vu, ça s'est déclenché bizarre, un coup. Le mec commençait à gueuler, on se dit, bon, bah, il y a l'alerte. Après, on le voit courir, il n'y a pas d'alerte. Et après, il y a l'alerte qui sonne. C'est un peu chelou, quoi, le truc. Ah, là, décidément, putain, je vais recommencer en masse, ton bras, j'ai l'impression. Allez, pointe ta gueule, que je te bute. Par contre, ouais, cette fois, je... Hein. Cette fois, c'est Bastos dans la tête, point barre. Parce que là, ça me saoule. Le pistolet, il est en mousse. Oh, putain. Alerte de sécurité, niveau 1. Enfilez vos gilets. Niveau d'alerte 1. Sam, ne te fais pas repérer. Attention, Fisher. La discrétion est votre meilleur atout pour cette mission. Ah, la vache. Par contre, ouais, j'ai hésité à le buter, lui, parce que vous voyez, il est en treillis et tout. J'ai l'impression que c'est un genre de colonel ou de je sais pas quoi qui me servirait bien pour le scanner. Donc, ouais. Putain, il est compliqué ce passage. Je trouve qu'il y a une technique deux fois plus simple, mais je sais pas. Oh, l'ombre, et je me disais c'est quoi. Au début, j'ai pas percuté que c'était long. Je me suis dit c'est quoi ce monstre qui arrive là. On change de jeu ou quoi. Mais non, c'est juste une ombre. Bon, est-ce qu'il y a des lampes à péter? Je sais pas si ça se casse. Qui est là? Bon, mais c'est quoi ce délire? Merde, merde, merde. Putain, ça va, j'ai trouvé un coin de noir parce que sinon j'étais au-dessus de la jauge 1. Tac. Je vais sauvegarder juste après, parce que déjà éliminer un mec, c'est déjà une prouesse en ce moment, j'ai envie de dire. Sans se faire griller, je précise. Tac. Après, c'est bien un scanner, ça. Et si je mets ma tête, ça fait quoi? Eh ben non, ça ne marche pas. Bon, je me doutais un peu, mais c'était pour savoir, parce que... D'habitude, c'est vrai que je le fais jamais, ça, dans le premier, j'ai jamais testé. Mais bon, juste par curiosité, ce serait marrant qu'ils sonnent une alerte, par exemple, parce qu'ils connaissent pas le visage, ou... Enfin, l'œil, plutôt. Ça aurait pu être drôle. Bon, les lampes. Tac. Merde. Putain, je galère toujours avec le zoom, voilà. Putain, j'utilise le gadget, ça y est, c'est parti. C'est parti pour les fails. Allez, va le récupérer, toi, maintenant. Bon bah il restera là. En plus c'est quoi comme gadget que j'ai utilisé? Oh, caméra vue encore, ça va. Bon, je vais laisser là-dessus, tiens. Parce que c'est le truc qui a le moins de valeur et le moins d'utilité, je trouve. Bon, il y a un bruit de suspicion, mais il n'y a personne, faut savoir quoi. C'est qui m'éclaire la gueule. C'est bizarre parce que des fois ça fait cet effet là et normalement quand ça fait ça c'est qu'on vous éclaire. Sauf que là bah y a rien, je comprends pas trop quoi. À moins que c'est ce truc. Putain.
What? Et j'espère que c'est pas le colonel ou je sais pas quoi. Hein. Parce que là, il est un peu mort, quoi. C'est la tourelle qui l'a buté, quoi, normal. Sauf que moi, si j'y vais, elle va me buter, là. Parce que dans le noir aussi, elle bute, je crois. On va voir ça. Ouais. Bah, c'est pas la même tourelle, alors. Parce que là, on dirait que c'est pas orienté dans le même sens. J'ai un gros doute, là. Est-ce que j'ai des grenades... chaff? Ça pourrait être utile, parce que c'est vrai que pour l'instant, j'en suis... J'avais essayé de m'en servir une fois, mais je crois que ça avait pas marché. Flashbang, ouais. Torche. Aïe. Putain, ça tire juste deux balles. Titu. Hop, t'es mort, au cimetière. Bon, ce passage-là, je crois qu'il va un petit peu me saouler, parce que j'ai l'impression que ça fait déjà plus de 10 minutes que je suis au même endroit. Ma patience commence à montrer ses limites, quand même. Ou du coup, il est mort ou quoi? Je comprends pas. Bon, je vais essayer de l'activer là, espérant que ça marche. Hop, ta gueule. C'est quoi cette lumière pourrie encore? Ça doit être ça. Voilà. Et j'entends un bip bip, je sais pas si c'est une mine. On va voir ça dans pas longtemps, si j'explose ou pas. Ah non. Tac. Fais dodo. Alors. Oula. Pas que je passe trop devant non plus. Bon, j'espère que c'était pas le colonel. Hein. J'ai l'impression que non. Parce que sinon, il m'aurait dit. Fischer, machin, vous avez dit de pas tuer. Nanani, nanana. On connaît la blague. Hein. Par contre, toi, tu vas pas rester là. Par contre, ouais. Si je peux le mettre là encore. J'espère qu'il sera pas détecté. Bon. On avance. Il y a combien de portes là-dedans? Câble optique. Il y a l'air d'y avoir personne. Je vais quand même sauvegarder. Parce qu'on voit pas très bien quand même à l'intérieur. Enfin, apparemment c'est des cabines pour la radio, j'ai l'impression. Ah, c'est les trucs d'enregistrement, des studios. C'est quoi ce truc? What? C'est quoi ce truc? Y a un mec derrière. Mais attends, mais c'est quoi ce truc buggé là? Ah, mais c'est moi! Ah, je croyais que c'était un autre gars. Ah, mais le miroir il est buggé. Hein. Là, ils ont fait un effet, mais il est complètement buggé leur effet là. J'ai jamais vu un truc pareil, vous voyez, même quand on incline, hop, je vois ma gueule, normal. A mon avis, ça devrait être ça devrait marcher comme ça, le miroir. Sauf que quand on regarde de face, ça bug complètement. Un peu bizarre. Câble optique. Allez, on y va. Bon, y a pas de gadget à ramasser, là. Tac. Du coup, là j'y ai pas encore été, là-bas non plus. Là j'y suis pas allé non plus d'ailleurs. Ah, ça c'est parfait. J'en avais besoin. Du coup, là je vais d'abord aller au couloir de droite. Peut-être que droite et gauche ça se rejoint, mais vu que le droite était accessible dès le départ. Je préfère aller là-bas au cas où. Parce que ça se trouve, c'est peut-être. Ouais, c'est bon, putain, j'ai flippé. Je crois que j'ai mis autre chose que sauvegarde rapide.
Et on verra bien ce qui nous attend. Parce qu'il me semblait qu'il y avait un mec là, mais j'ai dû buter, parce qu'il y a un moment, ils sont venus par deux, je crois. J'ai même plus, parce que vu que j'ai recommencé X fois... Par contre, la lumière ici, bof. C'est quoi ce truc? Ça sent l'escalade ici. Ouais, s'il y a une trappe, c'est obligé. Je vais quand même aller là-bas pour voir. Ok, ok, il y a un mec. Petite sauvegarde et on rentre dans le bordel. Je sais pas ce que c'est ici, si c'est un plateau pour tourner ou quoi. Parce que vu que c'est censé être une chaîne de télé, mais il y a des trucs de radio apparemment. Comment? Oups. Je suis rentré au mauvais moment. Ah, putain, c'est long à charger, c'est juste à côté, hein, c'est à 2 mètres quoi. Ouais, on le voit ici. Par contre, je vois pas l'autre. Quand je suis rentré, il est venu direct. Et là, je le vois pas. Un peu bizarre. Bon, j'y vais, on verra bien. Ouais, je voulais essayer de me mettre, vous savez, prendre appui sur les murs, mais non. Ça a pas envie... Putain, mais je suis devant toi, couillon, la crème. Sam, ne te fais pas repérer. On est en troisième. La discrétion est votre meilleur atout pour cette mission. Putain, c'est quand même bidon ce truc là. Attendez quoi. Fusil d'assaut, s'il vous plaît, quoi. Ce truc c'est hyper précis à au moins 100 mètres de distance, quoi. Le gars il est collé à moi, franchement je comprends pas, il y a des trucs, c'est un peu bizarre. Ça emmène où ça encore? Parce qu'il y a plein de portes de partout, mais là je commence à me demander où ça m'emmène. Si là ça doit être la porte juste à côté de la tourelle. Par contre il y avait personne tout à l'heure. Ça doit pas être la même. Bon, à part ça c'est tout. Je vais voir en haut, il y a peut-être des gadgets. Apparemment non. Ah d'accord, je peux retrouver celui qui a fait ça. Oh, fichier. Niveau de sécurité passe à 2. Enfilez vos casques. Niveau d'alerte 2, Fischer. Sois plus. Oh, on pouvait rentrer par là, ok. Fischer, cette mission a déjà fait beaucoup de morts. À la prochaine. Ouais, je suis cette mission. On bouge pas, il me reste qu'une balle, me la gâche pas. Voilà. Bon, au moins, ça fait 4 cons en moins, c'est déjà ça. Et une sacoche, peut-être avec des munitions, ce serait sympa. Ouais, même pas. Donc là, je vais commencer à être un peu dans la merde, du coup. Voilà, j'ai niqué 4 mecs, ça fait déjà ça de moins, hein, faut pas oublier. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de bonhommes, je trouve. Par rapport au premier, il y a quand même beaucoup plus de mecs à tuer. Hein. Je m'amuserais pas à les compter, mais... Il y a une sacrée différence quand même. Bah, apparemment, il n'y a rien. Je vais quand même aller à quoi que. Ah oui, je l'avais pas vu lui. Ah, c'est ma copine ça. C'est la fille que je dois aller voir, je crois. Hop, fais dodo. Bon, on va aller lui rendre visite. Alors, je recharge avant. Elle sera capable de me lancer un assaut de bonhomme juste à côté d'elle. Salut. Hop, on va remettre la vue normale pour changer un peu. Et là, vous voyez, la glace ne bug pas. Mais ouais, je pense que l'autre, c'est un vilain bug, c'est tout. C'était vraiment bizarre. Salut Ingrid. Vous ? Je ne pensais pas que ce serait vous.
Vous saviez que quelqu'un allait venir ? J'ai pu échanger quelques messages avec l'agence. Tout ce que je sais, c'est que je dois vous aider à approcher Sadono. C'est possible ? Oui, je peux franchir le scanner rétinien qui mène au studio. Vous ne perdez pas de temps, vous ? Mon sourire fait craquer Sadono. Bien sûr, si Sos avait été là, ça aurait changé pas mal de choses. Un hélico nous attend pour évacuer Sadono. Si vous arrivez à le faire sortir, on le ramène au pays. Cette Ingrid, c'est un vrai miracle. J'en reviens toujours pas. Continuez. Suivez-la jusqu'à l'entrepôt. Elle est notre seule chance d'approcher Sadono. Honnêtement, je veux pas dire, hein. Je sais pas si vous avez le même sentiment, mais je la trouve un peu trop coopérative. Et je cache pas que je sens un peu le piège venir à 2 km. Après, je me trompe peut-être, hein, y a peut-être pas de piège. Mais j'ai un peu l'impression que ça sent le piège, je trouve. On verra bien. Là, je trouve ça un peu trop facile. Là. Le coup de « Hop, je vous emmène et vous le capturez, on s'en va. » Ça m'étonnerait. Le niveau de sécurité est revenu à la normale. Bien. Apparemment, tout est rentré dans l'ordre. Putain, ça, j'avais pas prévu qu'ils remettent un mec ici. Putain, mais ils vont rajouter combien des hommes, là ? Je les ai tous butés, ils retrouvent le moyen d'en remettre. Alors qu'en tout, j'en ai buté 2, 3, 4... Niveau d'alerte 1. Sam, ne te fais pas repérer. Attention, en tout, j'en ai buté 8, je crois. La discrétion est votre meilleur atout pour cette mission. Oh, c'est quoi ce bruit ? Ah, c'est la pluie. Un peu plus loin, je vais prendre le tunnel sur la droite. Vous, vous prendrez le chemin sur la gauche. Je risque d'être pointé par là. On se retrouve de l'autre côté. Nous venons d'intercepter une communication de SOS. Il a révélé l'identité de Carlson. Si Sadono sait que Ingrid est un agent de la CIA, il va demander à ses hommes de la descendre. Protégez-la. Putain, sérieux ? Mais on n'entend rien avec leur pu pourri. C'est pour ça que je me suis un peu éloigné pour essayer d'entendre, parce que ça fait tellement de bordel. Peut-être que vous entendrez mieux, mais en tout cas, moi, j'entends pas. Pour comprendre ce qu'ils veulent me dire... Merde! Oups! Oh putain! Merde! Trompé de cible! Pourtant j'étais pas dedans, bon elle devait être juste Ara, donc ça a dû la frôler, mais... Je ne visais pas elle, hein, je vous rassure. Oh la blague! Niveau d'alerte 1. Bon, moi je sais ce qui m'attend. Tac. Ne te fais pas repérer. Fisher, on vous paie pour votre sens de la discrétion. Ah la vache, il y avait des lunettes de vision thermique en plus. Oula, c'est quoi ça? C'est quoi cette armée là? Merde! Putain, ils sont sérieux là? Oh la vache! T'as combien de bonhommes là en tout? 5? 6? Maudits américains. Ouais, c'est ça, maudits américains, tu vas voir. J'ai envoyé des grenades fumigènes, ils vont m'en faire les malins. Putain, la blague! Allez savoir ça qu'il y avoir autant de. Ne te fais pas repérer. Attention Fisher, la discrétion. Oui je sais, la discrétion est votre meilleur atout pour cette mission, c'est marqué. Ça je vais la connaître par cœur sa phrase. Pour cette mission. Allez fais dodo. Et ça te dirait de faire dodo toi? Le gars il passe dans le gaz comme ça normal. Oula, il y en a un autre qui va se pointer, je sens. J'ai peut-être envoyé... Non, remarque, je peux envoyer une grenade normale. On va tout faire péter, allez. Ah merde, putain, je l'ai envoyé trop près. Du coup, je vais peut-être reprendre mon gadget. Parce que je crois qu'il y a encore 3 mecs qui m'attendent.
Merde. Oh putain. La vache, le temps que je dégaine. Ah la vache, putain, merde. Ah la vache, c'est dommage, j'étais pas mal parti, mais... Le dernier qui ricoche sur le mur, la blague. Ça c'est con, pourtant ça dépassait, hein, mais bon, faut croire que non, pas assez. Il y a quoi ici? Non, je vais rester par là. Bon, on réessaye la grenade fumée, mais j'ai essayé d'envoyer plus loin la deuxième. Alors, je prends les balles plastiques au cas où. Alors, désolé si je vous coupe la parole. L'autre qui se trimballe normal, c'est l'action, ça pète de partout, mais elle, tranquille, c'est sûr. Moi, je me promène. Hop. Je vais rester là, dans l'angle mort, j'attends qu'ils avancent. Bon, ça doit être le dernier, mais c'est bon, peut-être. Impeccable. Bon, ramène-toi, là, c'est bon, il n'y a plus personne. Putain, la vache, quand même. Et en plus, ils avaient ouais, tous les trois des lunettes thermiques, donc... ça rigole pas. Elle fout quoi, là? Elle est où? Oh, putain, elle est... franchement, il y a de plus en plus de bugs dans le jeu, c'est flagrant, quoi. Celui qu'on soit un peu éloigné, disparaît de la map, normal. C'est sympa. Bon, allez, active ton bordel, là. Ouais, tu survivrais, tu étais juste à côté d'une grenade, mais... Sur le toit. Pas très subtil comme plan, mais vu qu'on ne peut pas utiliser des hélicos de l'armée, c'est le seul moyen de quitter la zone. Bon, allez, dépêche, parce que j'en ai un peu marre d'entendre la pluie. Voilà, merci. Ça fait du bien aux oreilles. Bon, le problème, c'est que là, j'ai plus beaucoup de gadgets, quoi. Faudrait vraiment que je trouve des balles, quoi. Bon, allez, je te suis. Sadono vous fait vraiment confiance? Plus que vous ne pensez. Comment vous vous y êtes prise? La seule chose que Sadono ne sous-estime pas, c'est son charme. Grâce à son charisme, il a rallié un pays à sa cause face à la première puissance mondiale. Je lui ai juste laissé croire que moi aussi, j'avais été séduite. Bon, allez, je te suis. Bah avance, tu fais quoi là? Je dois avancer à sa place. J'ai besoin de techniciens et d'un groupe électrogène. Envoyez des hommes au studio tout de suite. Sadono veut enregistrer un message. Je sais que vous avez intercepté ce message. Rejoignez au plus vite le studio d'enregistrement. Je reçois des tonnes de messages concernant des itinéraires d'évacuation. Le studio, c'est notre dernière chance de capturer Sadono vivant. S'il sort, il va disparaître ou se faire tuer. On ne peut se permettre ni l'un ni l'autre. Bon, t'es gentil de me mettre la pression là, mais c'est pas toi qui est sur place quand même, j'ai envie de dire. C'est quoi ce bruit? Par contre, là, il y a une caméra blindée, c'est ça qui fout la merde. Ah, ça va. C'est ta tête qui va griller. Tu vas voir. Allez. Oh, évidemment, faut qu'il se casse. Allez, ramène ta fraise. Bon, j'espère qu'il n'y a pas un chrono caché parce que bon. Voilà quoi. Oh putain. Est-ce qu'il est tout seul lui? On va dire que oui.
que là, il y a un scanner rétinien, mais la fille, elle vient pas, donc... Honnêtement, je sais pas si j'ai besoin de lui. Donc je vais quand même le faire, parce que j'ai quand même un gros doute, et j'ai pas envie de faire un game over encore une fois. Donc je tente. Ah, apparemment, connu colonel. Bah alors, ça ouvre ou ça ferme? Je sais pas. Voilà. Diminution du niveau de sécurité. Bon, sauvegarde. Parce que là, à mon avis, les choses sérieuses se précisent. S'il y a Sadono là-dedans, il doit pas être tout seul. Bien. Apparemment, tout est rentré dans l'ordre. Ah la vache, il y a combien de gardes là-dedans? Salut les gars! On va buter moi, de toute façon c'est fini. Il y a tellement de mecs que ça sert à rien d'essayer de se battre, je crois. À part si vous avez 10 grenades sur vous et que vous voulez faire un attentat suicide, mais sinon c'est mort quoi. Bien, apparemment tout est rentré bon. Dans l'ordre. Mais là c'est un peu compliqué quoi, il y en a beaucoup hein. Bon, je vais laisser venir l'autre. Je pense que je vais réussir à le choper. Là, c'est juste que j'étais un petit peu trop loin, mais là, vu que je connais sa ronde. Putain, fais chier. Il reste pas assez longtemps en fait. Putain, mais ils sont sérieux de m'éclairer là? Putain, mais merde! Putain! Mais pourquoi les projecteurs ils sont là-dedans là? Normalement, les projecteurs ils sont sur le plateau, putain. Je pensais pas qu'ils allaient jusqu'ici. Bon, je vais essayer de la jouer sans tuer personne, parce que j'ai l'impression que... perdu d'avance. Et ça va, les scanners rétiniens, il y en a combien sinon? Il y en a tous les 10 mètres, quoi. Merde, putain. Décidément. Merde, putain, j'ai fait sauvegarde rapide. Je crois qu'il me reste plus qu'à me battre, j'ai envie de dire. Là, j'ai plus trop le choix, hein, parce que sinon, je vais recommencer je sais pas où. Au début de la vidéo, quoi. Putain, et merci les gadgets, quand même. Par contre, là, j'en ai plus... Je vais devoir utiliser le flingue. Il reste qui, là? Mais c'est Sadono, ça. Bon, je vais re-sauvegarder. Putain, c'est la merde, quand même, hein, cette histoire de sauvegarde rapide à la con. Là, putain, j'ai même pas vu le temps, moi. Je suis à 54 minutes. Wow, et j'ai pas regardé depuis 20 minutes, hein. Bah, on va peut-être s'arrêter là, du coup. Je suis désolé de couper brusque, mais ouais, là, je suis obligé de couper parce que 54 minutes, putain, j'ai vraiment pas vu le temps passer. Donc, désolé, hein, merci d'avoir regardé. J'espère quand même que vous avez aimé. J'ai quand même bien avancé, ça, c'est certain. Mais je suis tellement à fond dedans que là, putain, j'ai pas vu le temps défiler, mais je pense que... Il y a 2-3 échecs que j'ai fait avant que je couperai peut-être, donc vous étonnez pas s'il y a des coupures. Je préfère vous dire, parce que là, 54 minutes, ça va être juste un monstre à upload, quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, puis on se dit à la prochaine, donc pour la, j'espère, la capture de Sadono. Allez, à plus. Thank you.